salut tout le monde, c'est Ryder, j'espère que vous allez bien. Finale de conférence avec mon arrière-agresseur contre les Sixers de Philadelphie. Alors, pour revenir un petit peu sur l'épisode précédent, les demi-finales, voilà, c'était un format unique pour cet épisode, histoire de changer un peu. Bien entendu, ce format n'avait pour aucune intention de remplacer le format classique avec le commentary. Voilà, c'était pour changer un petit peu, voilà, pour vous montrer un petit peu des actions sur différents angles, puisque je trouve qu'en caméra 2K, on n'a pas toute l'immersion des actions, alors que sur d'autres angles de caméra, notamment celle du côté, c'est comme si on était en match, comme si on regardait un match à la télé, et je trouve que l'immersion est plus présente. Voilà, c'était histoire de changer un petit peu, de sortir un petit peu de la routine, du format classique. Voilà, mais ça n'avait pour aucun cas, aucun but de remplacer le format actuel que l'on va faire dans cet épisode, bien entendu. On va revenir un petit peu sur les stats des demi-finales de conférence, puisque je ne vous ai pas montré les stats, mais sur les 4 matchs, on est à 56 points, 1,5 rebond offensif, 9,5 rebonds défensifs, non, 11 rebonds au total, 6,3 passes de moyenne, 1,3 interceptions, 0 contre dans ces demi-finales de conférence, 0 contre, 2,8 ballons perdus, avec un pourcentage de réussite proche des 80%, c'est énorme. Donc voilà, vous n'aviez pas les stats, mais on peut les retrouver bien entendu si on retourne sur mon joueur dans stats par match, hein, ici. Donc voilà, les 4 matchs contre Atlanta, 58 points, 61 points, 63 et 42, avec que des doubles-doubles. Que des doubles-doubles, 3 avec des rebonds et 1 avec 10 passes. Voilà les stats au tir, hein, 17 sur 24, 23 sur... je suis allé sur un match en dessous. 23 sur 31, 22 sur 27, 28 sur 35, 17 sur 23. On a loupé qu'un seul lancer franc dans ces demi-finales de conférence. Mais pour cet épisode, finale de conférence dans un format classique, les meilleures actions de ces finales de conférence, ça commence maintenant contre les Sixers de Philadelphie. Bon visionnage à vous. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve notre ancienne équipe en finale de conférence. Donc finalement, notre départ ne les a pas trop embêtés. 62-20 les Sixers après notre départ, hein. On était aux Sixers avant de partir à Milwaukee cette saison. Et ils font une excellente saison et les retrouvent en finale de conférence. C'est assez marrant à voir que malgré notre départ, ils ont réussi à atteindre ces finales de conférence. Et qu'ils auraient pu potentiellement, si on n'était pas là, atteindre les finales. Donc voilà, c'est marrant de retrouver notre ancienne équipe, Justice Young, Ben Simmons et Joel Embiid et compagnie. Et on va les affronter dans cet épisode. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait les éliminer. Mais on verra bien. Oh, c'est plus Maker. Maker n'est plus titulaire. On va perdre les entre-deux maintenant. Bah voilà. Maker n'est plus titulaire. Mais pourquoi Maker? Elle est super. On est devant. Oh, ça va partir au dunk, ça. Ça va partir au dunk. Boum. Le windmill pour bien commencer. On a mal défendu sur cette action-là. Mais derrière, ça s'est bien passé. On va demander ce ballon. On va poser le jeu. On va demander isolation. Et on va demander un écran à notre cher Jabari Parker. Malheureusement blessé cette année en NBA. La passe à terre, elle est magnifique. Et voilà, ça conclut bien. Beau pick and roll. Allez, on part en contre-attaque. Oh, on est bien, on est bien. On va faire un dunk main gauche ici. Voilà, un dunk simple pour éviter de se faire contrer. Puisqu'un dunk spectaculaire ici, ben c'est trop dangereux. Oh, ça c'est magnifique ça. J'étais concentré sur mon action, la passe est magnifique sur ce pick and roll encore une fois. Oh le contre, bah tiens Justice, non monsieur Justice, non monsieur. Il n'a pas eu le temps de tirer, il était obligé de shooter de toute façon. Il reste 0,1 seconde, ils n'auront le temps de rien faire de toute façon. Ils vont faire la passe et ça va faire pouit, voilà trop tard. Il nous colle, donc s'il nous colle vous connaissez parfaitement ce qu'il faut faire. Voilà, ce genre d'action, il y en a beaucoup par épisode de carrière, mais c'est une mauvaise défense du jeu, j'espère qu'ils régleront ça dans le prochain opus. Mais bon, avec 2K, maintenant, on y croit de moins en moins. Allez, on va demander ce ballon, on va demander un écran à Bogdanovic en pick and fade, c'est-à-dire qu'il va rester à 3 points. On va lui rendre, bien entendu, le bon switch. Par contre, ici, on est passé. Le changement de tir en l'air qui nous permet de marquer ce N1. Alors, il n'était pas forcément bien visible à l'œil nu. Ce changement de tir en l'air, mais vous allez peut-être le voir au ralenti si on le voit. Il y a le changement de tir en l'air, on le voit à l'œil nu. Et ce changement de tir en l'air déjà me permet de provoquer la faute et de réussir mon tir aussi, donc de mettre le plus 1. Si on n'avait pas fait le changement de tir en l'air, on aurait peut-être eu ni la faute, ni le panier quoi. Oh le contre sur Simmons, dommage qu'on ne récupère pas ce rebond. Alors là en un match je fais 3 contres.
Alors qu'en demi-finale, j'en ai fait 0. Hein. C'est bizarre. Allez. Oh, on va se le prendre. Et oui, on va se le prendre. Alors, on est derrière. Pourquoi on est derrière? Eh bien, tout simplement parce que je joue énormément en passe sur ce match. Je fais beaucoup de passes. Je joue vraiment collectif. Et mes coéquipiers ont loupé énormément de shoots ouverts. Donc c'est pour ça qu'on est derrière finalement. Donc voilà, voilà, il va falloir que je prenne mes responsabilités. Si mes coéquipiers ne scorent pas, eh bien voilà, on va prendre beaucoup plus de tirs et on va prendre beaucoup plus le ballon. Hein. D'habitude, je l'ai beaucoup plus le ballon. Notamment en demi-finale de conférence, on a 56 points de moyenne. Hein. On l'a vu juste avant. Mais là, je joue trop collectif peut-être. Et mon équipe est derrière. Trop de shoots ouverts, loupés. Donc on va prendre nos responsabilités maintenant. Allez, ça va partir de là. Le coup d'accélération, voilà. On va monter au panier. Voilà, le coup de rein pour faire remonter notre équipe. Ça part de là, ça part de là, les gars. Oh, le contre sur Okaifor, la bonne défense. Et malheureusement, derrière, ben, ils sont pas punis. Ils ont eu une deuxième chance. Ah là là, on avait pourtant extrêmement bien défendu. Allez. Allez, on y va. Voilà, enfin. Oh là là, c'est compliqué. Hein. On est repassé devant. Mais qu'est-ce que c'est compliqué. Allez, le rebond, cette équipe de merde, elle me saoule. On va changer d'équipe, hein, une fois la carrière terminée. On y va, et on les monte dessus, tiens. On est obligé de tout faire, hein, c'est pas possible. Livingstone, il sert à rien, ils font que des fautes sous le panier. Oh là 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 là. Le joueur qui me saoule le plus dans cette équipe de Milwaukee, c'est Livingstone. Il est tout le temps tout seul, mais tout le temps tout seul. Sauf qu'il est tout le temps à 3 points, du coup il est tout seul à 3 points. Il prend pas ses 3 points, il a le temps d'avancer à mi-distance, mais il le fait pas. Il est tout le temps tout seul, mais il sert à rien. C'est une taupe quoi. C'est un poteau quoi. Je sais pas, il sert à quoi ce mec là, mais il me saoule. Il n'y a pas un shooter à 3 points sur le terrain, pas un. On a Middleton sur le banc, on a Felder, on a du monde, mais on en a pas un sur le terrain. Donc c'est problématique, allez. Voilà, le double-double, bien joué Aldridge. Seulement 3 points d'avance. Pour une fois, il y a un match serré sur la chaîne. Allez, le contre, voilà, la belle aide défensive. Et derrière, on va demander ce ballon. Voilà, on veut le contrôle du match. Alors, il y a une prise à 2, on va servir le joueur tout seul, voilà. Super. Allez, on demande ce ballon, super. Allez, on va être patient. Regardez Livingstone. Il peut avancer à mi-distance, prendre ce tir. Oh, il l'a fait. Oh, pour une fois, mais il le loupe en plus. Oh, il sert à rien ce type. Oh, sérieux, je préfère Roy Hibbert à sa place, quoi. Oh, encore un contre, là, le prendre James. Oh, oui. C'est parti, on part en contre-attaque. Oh, allez, oh, ça va être con. Oh, il est crevé, notre joueur. On peut plus avancer, on a plus de jus. On a plus de jus. Oh, ce contre, il était clutch, hein. Soyons patients. Restons patients. Pff, allez, faut demander un écran, il reste 7 secondes, là, vite. Allez. Allez, monsieur. Oui, il a les hoops. Oh, c'est dedans. Ouh, ça c'était clutch, ça, le contre par derrière et tout. On fait un quatrième carton clutch. On n'a pas eu beaucoup de matchs serrés avec mon arrière sur la chaîne YouTube. Mais dans les seuls matchs serrés qu'on a eu, eh bien mon joueur, ou moi-même, hein, comme vous voulez, eh bien on a été extrêmement clutch. On est présent, quoi. Voilà, le match est terminé. 39,5 rebonds, c'est pas 6 contre. Hein. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai fait aucun contre en demi-finale. Ah, c'est bizarre parce que des contres, j'en fais quand même régulièrement, même si j'en fais pas beaucoup. Et là, début des finales de conférence, 6 contre. Donc 39,5 rebonds, 6 contre. 15 sur 21 au tir, 9 sur 9 au lancer franc, 2 ballons perdus. Et tout ceci en 28 minutes. 1507 VC plus les potentiels VC de palmarès débloqués. Nous, on se retrouve pour le second match des Sixers. A tout de suite. Allez, deuxième match, c'est parti. Malheureusement, comme Maker n'est plus titulaire, on ne gagne plus d'entre deux. Ah, c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste. Je préfère Maker à Aldridge, moi. Allez, Jabari Parker, viens me poser un screen. Allez, Jabari, voilà, la belle passe. C'est un air de déjà-vu. Sur le match précédent, on a eu des actions similaires à celle-ci. Oh, le changement de tir en l'air. Oh, il est magnifique, celui-là. Il y aura même ralenti. On attaque le panier vite et là, on change de tir en l'air. Boum. Un vrai acrobate. Acrobate, excusez-moi. Allez, super ça. On y va. Oh, le poster. Ouh, sur Okaifor. Oh, c'est pas une animation de dunk après contact, mais ça, c'est un putain de poster quand même. Il est bien en dessous du panier. On l'écrase comme une crêpe. Voilà, enfin une action qui va nous faire un petit peu vibrer.
Oh bah si, c'est un poster ça. Attendez, regardez comment je lui casse la gueule. Oh, oh, il est lourd ce poster, il est très lourd. Enfin. Allez, super. Et nous, on court devant, on court devant. Allez, un petit dunk à deux mains, tout simple. Bonne défense. Allez, on va à côté là, il y a moyen de... Allez, on va passer par-dessus, voilà le petit flotteur. Pour éviter le contact, on passe par-dessus. Voilà, le flotteur c'est un lob. Hein. Allez, le rebond. On observe ce qui se passe devant, on observe. Hop. Oh là, c'est beau ça aussi, bien joué. Le timing vert. 50 à 40, à 43. Pour enchaîner sur la seconde mi-temps. Ah voilà, le bon passage en force provoqué. C'était pas mal ça. Voilà, on a stoppé leur contre-attaque en provoquant un passage en force. Il était en train de courir quand même à boule. Voilà, on s'est mis devant, on a appuyé sur rond. Et voilà, voilà. Allez, ou ça, ça peut faire... Allez, on y va. Voilà, la puissance de notre arrière agresseur. C'est l'attaque du panier, donc on y va. Oh, c'est pas mal cette interception. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Allez, on y va. Oh oui, le dunk sur OK4. La machine est lancée. Et on va mettre ce lancer franc en plus. Et you. Ah, il nous colle. Hein. Vous connaissez malheureusement ce qu'il faut faire quand il nous colle. C'est toujours la même chose. Je n'ai plus forcément besoin de vous montrer ce genre d'action, mais je le referai de temps en temps. Mais maintenant, j'en supprime beaucoup au montage. Hein, des actions répétitives comme celle-ci. Que l'on a l'habitude de voir dans mes épisodes de carrière avec l'arrière. Allez, on y va. Ah, c'est bien. Hop, voilà, un petit timing vert. On est ressorti, on s'est bloqué dans la raquette. On a réussi à ressortir pour ce petit shoot. Allez, c'est pas mal ça, cette interception. Mais attaque le panier, voilà, Livingstone, voilà. Ah, il était en train de s'écarter encore une fois au lieu d'aller tout droit. Souvent les joueurs s'écartent comme ça et des fois ça les envoie à 3 points. Au lieu de courir tout droit. Allez, le coup. Oh là là, le coup de rein. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Cette animation est magnifique. Alors Derrick Rose la possède. Il y a beaucoup de packs de double pas qui possèdent cette animation. Même Tony Parker la possède celle-ci. Elle est magnifique celle-là. Et en plus en N1. Hop. On fait un excellent match hein, sur celui-ci. Oh là là. Allez, nous on part devant, on pas besoin d'aider au rebond. On va passer. Oh là, c'est compliqué. Allez. C'est pas mal ça. Oh là là, on fait que du timing vert. C'est bien, c'est bien. Allez, t'es tout seul. Oh là là, ils prennent pas leur tir quoi, c'est fou ça. Oh, l'interception, c'est pas mal. Et nous on court tout droit, ça va être compliqué quand même. Oh, ça rentre, oh, t'es sérieux. Oh, t'es sérieux, ça rentre, regarde, on fait des pompes. Oh, celui-là, je ne le voyais pas du tout dedans. Il était extrêmement bien défendu. Mais voilà, vous connaissez mon arrière. Bon, l'interception, c'est pas mal. On la récupère. Et on va pouvoir conclure avec un gros dunk en plus. Pour conclure ce match. Pouh. Voilà, le match est terminé. Très très bon match. 49 points, 4 passes, 4 rebonds, 6 passes, 2 contre, 3 interceptions, 21 sur 28 au tir, 7 sur 7 au lancer franc et un seul ballon perdu. Bon, et nous, on se retrouve pour le prochain match, du coup, le match 3 qui se jouera cette fois-ci à Philadelphie. Allez, c'est parti pour le match 3 dans le terrain alternatif des Sixers, puisque j'ai mis le maillot. Voilà le maillot là, Hardwood classique, qui permet justement aux Sixers de jouer avec ce terrain alternatif. C'est pareil, on a aussi notre terrain avec les Bucks. Vous l'avez vu de toute façon sur le match d'avant, qu'en mettant notre maillot noir, on joue sur un terrain alternatif. Et bien c'est le cas chez les Sixers. De toute façon, on était chez les Sixers. Donc ceux qui ont suivi la carrière ou le passage aux Sixers, vous savez qu'on jouait avec ce terrain parfois. Allez, ça commence tout de suite. Oh, la belle passe. Oh, elle est magnifique la passe. Ça commence très bien. Ouh, la passe. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Magnifique. Franchement magnifique. Oh, super interception. Nous, on est là-haut. Allez, l'alley-oop. Oh là là, ça commence bien, Livingstone. Avec cet alley-oop. Deux passes décisives déjà pour nous. Allez, super ça. Allez, on y va. On y va, le poster.
toujours Jairo qui est fort. Désolé mon ancien partenaire. Je suis désolé de t'avoir mis le coude dans l'oreille. Pose-nous un écran, Jabari. Quand la belle passe pour Jabari. Encore. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on fait exactement cette même action avec la passe à ras de terre. Et là c'est... Bah c'est beau, écoutez, c'est beau, c'est propre. Il faut qu'on remonte parce qu'on a du retard dans ce match-là. On a du retard, on est derrière. Oh, l'interception, elle est pas mal. Celle-là, on l'a bien anticipé. On va se calmer, on va demander une tactique, tiens. On va voir ce que ça donne, on va la suivre. J'ai pas eu le temps de voir, c'était marqué quoi. D'accord. Allez. Oh, mais sérieux, elle a été annulée. Oh, tant pis, hein, on va aller jusqu'au bout. Voilà. C'était tout simple, mais la tactique n'a pas été suivie. Allez, c'est passé ça. Oh, il a mal défendu. Justice avec le gros dunk. On va laisser le ralenti. Boum. Allez, et le rebond. Et on y va. Oh, mais me pousse pas, Maker. Oh, il m'a poussé ce con. Oh, le N1. Oh, celui-là, je sais pas comment je le mets, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah oui, le Popovic est le coach des Sixers. Hein. C'est pour ça qu'ils sont en finale de conférence. Oh là là, magnifique N1, magnifique. Dire qu'il met un shoot complètement contesté à la mort, mais voilà, mon arrière il est taré. La bonne défense, et nous on va partir devant. Et ça, ça peut clairement y aller. Encore un shoot. Oh là 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 là. Poussez-vous, poussez-vous. C'est le mec comme ça. Waouh, en train de. Dans les marécages là. Voilà, là encore un N1 sur un changement de tir en l'air. On peut le voir à l'écran, le crantage du changement de tir en l'air. Et là, on pousse tout le monde pour ressortir comme un animal. Allez, un petit lancer franc. Boum. Allez. Oh, le flotteur. Oh, il était pas facile celui-là. Hein. Mais on fait un timing vert. On était quand même au contact des adversaires. Donc, techniquement, on aurait eu... Techniquement, c'était pas un shoot facile ni un bon choix de tir. Bah, écoutez, apparemment si. Après, j'ai peut-être mal observé hein, sur le coup. Hein. Bogdanovic tout seul. Le step back encore avant le shoot. Là, au mieux de faire un catch and shoot. On a un rebond. Je sais pas où on le sort d'où ce rebond là, mais. Mais je sais pas. Je sais pas comment on est allé le chercher. Hein. Je comprends pas, franchement. Voilà, match terminé. 55 points 9 rebonds, 6 passes, une inter. 1521 WC remportés. On se retrouve pour le quatrième match de ces finales de conférence. Et peut-être le dernier match de ces finales de conférence. Hein. On verra bien, on verra bien. Allez, à tout de suite, les gars, à tout de suite. Allez, c'est parti pour ce quatrième match des finales de conférence. Et Maker, il est revenu, Maker. Bah voilà, Maker, il va gagner l'entre-deux. Voilà, par contre, le maillot que j'ai mis. En fait, il est dégueulasse. Bon, j'aurais pas dû mettre ça. Oh le contre. Oh le contre sur Justice Young. Il a rien compris là, notre ancien partenaire, notre ancien duo. Oh les, l'interception. L'interception. Boum. Oh l'inter elle est pas mal. On est devant et on y va. Boum. Petit dunk à deux mains. On en fait pas souvent des dunks à deux mains. Faut en faire un petit peu. Ah, il nous colle, donc s'il nous colle, vous savez ce qu'il faut faire. On y va, on y va, le poster sur Nerlens Noël. Allez, ça peut clairement poster, hein, vous le savez. Et ça va poster sur Bayless. Il a pris cher le... Là, c'était sûr que ça allait poster. C'était sûr. Allez, on va partir... Oh là là, on va partir derrière Aldridge. Ah, oh, il aurait pu poser un écran. Oh, ça c'est pas mal, ça. Ouh, ouh là là, rondeau. Ouh, il a pris cher. Oh, il a pris cher, on doudou. Et Ben Simmons qui a tenté de provoquer un passage en force sous le panier sur cette action-là, en plus. Allez, c'est pas mal, ça. On avance. On court. On court. Et on va partir au dunk. Ouh. C'était beau. Eurostep. Et le timing vert. On en fait énormément des N1, hein, de toute façon, avec l'agresseur. On ne les compte plus. Allez, on est au rebond par devant, on observe ce qui se passe. On pose le jeu, on va demander une tactique, tiens. On va demander une tactique. La passe pour Felder, nous on va aller dans le coin. Pour aller tout seul, hein. On va annuler la tactique et on va prendre ce tir, ouais. Je ne sais pas où était mon défenseur, mais... Il est pas, il a disparu.
Oh, le contre sur Justice Young encore une fois. C'est dommage, on ne va pas récupérer le rebond, mais... Beau contre. 55 à 40. Bon, là, c'est parti pour la seconde mi-temps. Felder à 3 points. La claquette. Oh oui, la petite claquette layup. Ça fait plaisir. Allez, Antetokounmpo, pose-moi cet écran. On va lui rendre, hein, ses cadeaux. On va faire du pick and roll, hein, puisque ils mettent un 3 points sur 22 ouverts. Donc voilà, au moins on sait que les doubles pas et les dunks, ils vont pas les louper, hein, s'ils sont tout seuls. Interception, c'est pas mal. Allez, allez, nous on va lui marcher dessus, hein. Voilà, on va lui marcher dessus à Ben Simmons avec ce shoot contesté. On va les calmer un petit peu, ces joueurs des Sixers. Allez, le contre, tiens! Mais on aura contré, mais je ne sais... On aura tellement contré dans cette série, dans cette finale de conférence. Encore une fois, je leur dis, mais demi-finale, 0 contre en 4 matchs. Là, j'en ai mis masse, quoi, mais j'en ai mis masse! J'avoue. On demande ce ballon. On part à contre-pied. Ah, c'est compliqué. Allez, le petit flotteur là. Voilà. Petit flotteur. Franchement. Ah, j'allais dire un truc, mais je le dirai en fin de vidéo. Allez, la couper le dunk. Mais il sert à rien, Livingstone. Hein. C'est un poteau. Je vous dis, il est tout le temps tout seul. Il a tout le temps le ballon, mais il sert à rien. Il sert à rien. Et c'est la victoire. C'est la victoire. On a sweep les Sixers. Alors pour être honnête avec vous, c'est loin d'être l'un des meilleurs matchs que l'on ait fait sur la chaîne. Oh, il y a une belle image, là. Je vais prendre un screen, tiens. Ah, je peux pas. Oh, voilà. Oh, c'est beau ça. Ah, je vais mettre sur pause. Donc voilà, c'est loin d'être l'un des meilleurs matchs que l'on ait fait sans ça. Oh, regardez comment ça déconne. C'est loin d'être l'un des meilleurs épisodes que l'on ait fait. Il n'y a pas eu de grosses actions. Voilà, final. Épisode assez banal, finalement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je pense que quand j'irai monter, je pense qu'il sera assez banal cet épisode. Pas de grosses actions comme on a l'habitude de voir ces derniers temps. Bon, par contre, beaucoup de contres. Et puis on a fait gagner notre équipe. Donc voilà, j'espère que quand même que cet épisode vous aura plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour la grande finale. Contre. Je ne sais pas c'est contre qui, ça sera une surprise. Allez, tchuss les gars. Et désolé pour mon élocution sur cet épisode, j'ai assez bafouillé. Allez, tchuss.
destruction.